L'info trafiquée de Yann Lambiel. Christian Constantin, vous allez devoir payer 1 million de francs à Mourad Yakin. Et donc, bon, c'est possible, c'est quand que je les verrai, lui, déjà? Au printemps 2019. Ah, écoute, tu sais, moi, je peux pas me souvenir de tout, j'ai pas la mémoire des chiffres. Je les verrai pourquoi? Trois défaites consécutives. Oh, bon, alors il mérite, puis je lui dois combien? 1 177 000 francs. Ah, merde, donc j'ai pas la monnaie sur moi. Non, mais de toute façon, je vais faire appel, puis je vais faire traîner le truc. Tu sais, si je commence à devoir donner du pognon rétroactivement à tous les entraîneurs que j'ai virés, je suis ruiné, moi. Photovoltaïque à devant en poupe, Daniel. Depuis que le Parlement a opéré une modification urgente de la loi sur l'énergie qui favorise les parcs solaires alpins, il y a plein de lobbies qui sont intéressés, évidemment. Et l'État va aider à l'expansion de ces parcs solaires. Oui, alors, il faut savoir que les projets de parcs solaires alpins sélectionnés pourront compter quand même 60% de subventions de l'État. Je connais deux ou trois qui vont voir surgir une fibre écologique soudaine. Vous avez peur que tous ces panneaux solaires dans les montagnes, ça gâche le paysage? Dis donc, c'est pas parce qu'il n'y a plus de neige qu'il faut remplir les montagnes de panneaux solaires moches. Ils ont qu'à les mettre sur les toits des maisons, sur les barrages ou bien sur les halles industrielles, moi je sais pas. Mais vous n'avez pas l'impression que vous, les écologistes, n'êtes jamais contents? On essaye de remplacer les énergies fossiles par du solaire et puis vous râlez? Écoutez, évidemment que c'est de l'énergie propre, sauf s'il y en a partout et n'importe comment, Valérie. Si des panneaux font des taches moches sur le paysage, c'est pas si propre que ça, vous comprenez? Hein, moi, quand j'ai des taches sur ma cravate, même si c'est du tofu, c'est pas des taches propres. Stan. Bon ben voilà, quoi. Ben oui. C'est con, hein. Ben oui. Bon ben, je vais prendre mon avion. Ben oui. Une équipe de recherche a découvert que le premier système autoroutier du monde était Maya. Bonjour, Madame Ogier. Régis Laspalès, porte-parole des CFF. Vous savez que les Mayas ont également inventé le premier système de train. Ah bon, je savais pas. Ouais. Oui, il y a des chercheurs qui ont trouvé une pierre sur laquelle il était écrit en Maya. Désolé pour le retard, c'est pas notre faute. Cette perturbation est due à un problème technique indépendant de notre volonté. Lara Goutte-Peramier a remporté le deuxième Super G de Saint-Anton. C'est sa 36e victoire en Coupe du Monde. Oh Lara, il y a tant de pistes que tu descendras. Il y a tant de médailles encore que tu remporteras. Oh Lara, on attend à attendre de toi toutes ces victoires, qui sait, moi tu les obtiendras. On t'a poussé comme on respire sur les skis sans foi ni loi. Ouais, ce qui t'a fait vivre était en toi. Des faiblesses et des freinages, t'as souvent passé ton tour. Mais pour les médias, tu n'as pas donné tant d'amour. Lara, le temps passe, meilleur tu seras. T'avais besoin de personne, tu l'as prouvé tant de fois. Oh Lara, petit rien du tout, mais première en bas. Tous ces conseils que l'on donne, oh, toi, tu les entends pas. T'as dépensé tant de force pour des chronos verrouillés. Des centièmes déjà presque oubliés. Mais que le diable les emporte, tout me semble dérisoire. Évaporé dans le jaune de ta médaille d'or.